Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Psychovida Faniel, un grand plaisir d'être avec vous. Je vous apporte une vidéo basant sur l'expertise dans le baiser ou l'expertise de baiser. Ça veut dire comment peut-on devenir un expert dans le domaine de baiser ou en baisant. Avant de commencer, il m'est toujours un grand plaisir de savoir le pays où vous nous regardez. Je sais bien que vous regardez partout ailleurs, mais il m'est très important de savoir ça et ça me fera un grand plaisir. Je vous invite d'abord à abonner à la chaîne, puis en cliquant sur la petite cloche pour que vous ayez toutes les prochaines et nouvelles notifications des vidéos que j'aurai à vous faire parvenir à la chaîne. Vous savez que je vous aime beaucoup. Je sais que vous aussi, vous m'aimez. Et c'est très important pour moi parce que là, nous marchons main dans la main pour une vie sexuelle et mentale active. D'accord, on va juste commencer parce que là, c'est très important pour nous. On va juste parler de baiser, devenir un expert. Pour devenir un expert, c'est très important et quelque chose, normalement, vous devez appliquer et vous devez vous mettre normalement d'accord pour être un expert. En baisant, ce que vous savez de baiser, c'est quand on se fait, normalement, on se remet entre les mains d'une femme, là, pour commencer à baiser. En baisant, vous vous faites... coller ou rejoindre les lèvres ensemble pour baiser. Moi, je ne vais pas vous enseigner, même vous dire comment baiser une femme, si ce serait même... ce ne serait pas bon de vous enseigner comment baiser, parce que là, chaque garçon ou chaque homme sait comment baiser une femme dans sa manière. Mais le plus important pour nous, c'est... L'effet qu'il y a dans le baiser, c'est la sensation qu'on ressent. Et quand on se baise ensemble, il y a une connexion parfaite entre l'homme et la femme. Ben, des stimulations commencent à se manifester, touchant le plaisir. Et ça donne de nouvelles actions, des jeux érotiques, de nouveaux jeux érotiques. Et c'est très important pour nous. Parce que normalement, le baiser, ce qu'il fait. Quand on commence à baiser, maintenant, on commence à avoir de confiance. On se baise dans les lèvres ou par les lèvres. Les lèvres, normalement, c'est leur travail. Et quand on pénètre la langue, et surtout les gars qui aiment faire ça, et c'est très important, je vous rappelle dans une de mes vidéos, je vous ai dit tantôt, pour baiser une femme, bien baiser, en pleine confiance, c'est d'abord savoir et de réviser s'il y a une parfaite hygiène, parce que s'il n'y a pas une santé buccale, il n'y aura pas de confiance, je pense. Comme je vous ai dit souvent, ce n'est pas la personne que vous baisez qui est importante. Ce n'est pas là où vous êtes qui est important en baisant, mais c'est la manière dont vous le faites. Vous savez bien, c'est la manière dont vous le faites. En baisant, l'important, c'est vous partager des salives, vous partager des sentiments très profonds. Vous commencez à stimuler des structures dans la bouche en pénétrant la langue. Et là, quand vous baisez ainsi, la femme commence à s'imaginer, ou commence à imaginer, si vous voulez, une pénétration. Ça veut dire la façon dont tu déploies ta langue dans la bouche de ton partenaire, dans la bouche de votre partenaire, de votre petite copine ou de votre petit copain. Bah, le plus souvent, ce sont les gars qui doivent normalement, qui se pénètrent avant. Mais nous, quand la langue de la femme se pénètre dans notre bouche, nous nous sentons bien. Mais quand nous nous faisons pénétrer, la femme
commence à penser une pénétration vaginale. C'est comme si la femme commence à dire la façon dont elle déploie sa langue. Dans ma bouche, c'est ainsi que j'espère son pénis va être pénétré dans mon vagin. Et la femme commence à rêver ça. Et c'est pour cela que quand vous commencez à baiser une femme, il n'est pas aussi facile de laisser de baiser ou normalement d'abandonner cet exercice si parfait. Parce que la nana ne va pas te donner cette chance. Vous savez, vous commencez à baiser, il y a des nanas qui ont de très belles bouches, vous savez. Et vous commencez à baiser en pénétrant la langue, et puis la nana commence à rêver cette pénétration dans le monde mystérieux de la sexualité. Et commence à penser de cette pénétration, du pénis qui pénètre dans les vulves. Et ceci, oh, ça peut enlever normalement, ou ça peut transmettre ou même transporter la nana dans un monde paradisiaque, même au septième ciel, là où se trouve Dieu. Parce que c'est Dieu, lui, il est amour. C'est lui qui nous a donné cette sensation, cette structure si complexe qui est notre sexualité. Vous savez, en baisant, quand vous baisez bien ou vous faites un très bon exercice, normalement, les vulves du vagin commencent à s'expandre, ça veut dire commence à agrandir, commence à grossir, commence à prendre leur forme. Mais pourquoi? C'est parce que le baiser stimule en fait un bon commencement de cette pénétration via une lubrification parfaite et massive. Mais en lubrifiant, les vulves ou la vulve, si vous voulez, commence à grossir, commence à grandir. Et c'est à cause de la stimulation du baiser. Maintenant, il y a une accumulation de lubrification qui va faciliter une pénétration. Mais la femme, en rêvant, il commence à rêver. Mais écoutez bien, je suis impatiente d'attendre cette pénétration, d'attendre ce pénis que j'aime tant. Mais c'est la femme qui parle ainsi. Ah, je parle à la manière des femmes. J'attends cette pénétration. Et pour nous, nous les gars, nous n'avons pas presque de patience à attendre. Parce que la femme aime normalement jouir ce moment du bonheur. Jouir. Et c'est cette stimulation. Parce que la femme veut passer environ 15-20 minutes, que ce soit en échangeant des jeux érotiques, en échangeant de baisers. Mais nous, parfois, quand on est stimulé, on attend presque même pas. Alors, on veut aller vite pour la pénétration. Mentalement, la femme attend la pénétration beaucoup plus vite que nous. Mais la femme sait comment résister. Mais nous, quand on est stimulé, puis on n'attend pas, on va vite, parce que en baisant cette nana, vous trouvez le plaisir qu'il y a dans le baiser, et puis à partir de là, on n'a pas le cœur d'attendre. Ça veut dire devenir un expert en baisant ou devenir un expert au baiser, c'est pas chose facile. Vous devez savoir comment sucer les lèvres, et puis comment bien pénétrer la langue, comment stimuler les lèvres de votre partenaire. À partir de là, vous devez être très patient. D'accord? Je vous rappelle dans une vidéo comment dévierger une fille ou une femme, si vous voulez. Je vous ai dit, normalement, chacun a sa manière de baiser, comme je vous ai dit tantôt. Ce n'est pas là où vous êtes ou la personne que vous baisez qui est important, mais c'est la manière dont vous le faites. La manière dont vous le faites. Je pense que ma vidéo vous a plu. Ah oui, je sais que oui. C'était Faniel Psychovida, une tasse de santé mentale. Si vous aimez, tant mieux. N'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos amis.
et à tous vos proches pour que votre santé mentale et sexuelle soit fort. Main dans la main, le monde continue pour une vraie vie sexuelle et mentale active. Bonjour, on se reverra dans la prochaine vidéo. Allez, bye bye.